Alors nous voilà dans la nature pour faire un petit exposé sur les choses qui correspondent à la nature. Alors la nature, c'est un mariage, de l'eau et du feu. Alors derrière moi, bien sûr, il y a un petit bassin avec de l'eau et où il y a de la vie à l'intérieur. Et derrière moi, à droite, il y a aussi le soleil dans le ciel. Et c'est ce mariage du ciel et de la terre qui est le mariage aussi du feu et de l'eau, qui conditionne absolument toute vie, sur terre et dans le ciel. L'énergétique chinoise, dans les temps anciens, elle était surtout guidée par le taoïsme, la relation avec la nature. Alors comme je l'ai dit en commençant, la relation avec la nature, c'est l'eau et le feu, le soleil et l'eau. Toutes les choses qui sont des choses que l'on retrouve partout, dans un arbre, dans un végétal, dans un minéral, dans un être humain, partout, on retrouve ce mariage qui est ce mariage absolument nécessaire pour que la vie puisse se manifester suivant les lois du Tao. Le Tao est inscrit à l'intérieur de nous. En parler, ce n'est pas le connaître, mais le vivre, c'est apprendre à le connaître. Le connaît-on jamais ? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que notre rôle en tant que thérapeute et notre rôle en tant que guide et médiateur avec le patient, celui qui souffre, celui qui vient nous voir, c'est de lui permettre de mieux appréhender ce qui est inscrit dans la pratique de l'acupuncture, dans les lois qui dirigent la pratique de l'acupuncture. Et ces lois sont sous-tendues par un aspect unitaire, c'est-à-dire qu'au-delà des lois, il n'y a pas de loi. Il y a simplement un grand courant énergétique qui place chaque être, à chaque époque, à chaque moment, à chaque instant, à chaque civilisation, à l'endroit où il doit être. Et pour être taoïste, et pour être dans les règles fondamentales de l'acupuncture, chacun doit chercher à trouver quelle place il doit occuper, ce qu'il peut faire de mieux pour équilibrer en lui cette présence du feu et de l'eau, cette présence du masculin et du féminin. Je dirais quelque chose qui est une banalité, c'est que nous sommes à la fois androgynes, masculin et féminin. Mais quelquefois, ce masculin et ce féminin, à l'intérieur de nous, ils font comme dans la société, ils font comme dans le couple. Ils ont tendance à divorcer, ils ont tendance à ne pas s'entendre, à mal se marier. Et tout à l'intérieur de nous n'est qu'un mélange, une recherche de fusion, une recherche d'harmonie, entre ce qui est la puissance du feu et la puissance de l'eau. Ce sont des éternels combattants, mais aussi ce sont des éternels amoureux. Alors, c'est un peu comme dans les couples. S'il arrive de temps en temps que le feu divorce de l'eau ou l'eau divorce du feu. Et notre rôle à nous, c'est non pas de jouer le juge en donnant un bon point à l'un, un bon point à l'autre, ou en lui disant c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison. Notre rôle, c'est en tant que thérapeute, c'est d'essayer de faire remarier une fois de plus ce beau couple qui existe à l'intérieur de nous de façon unitaire au sein de la plus petite de nos cellules, mais ce beau couple qui existe dans le fonctionnement de nos organes, de nos viscères, que les Chinois ont classé au fur et à mesure que ça a évolué, les lois d'acupuncture est devenue de plus en plus, je vais dire scientifique, entre guillemets, ces lois nous ont appris à harmoniser le yin et le yang, le masculin, le féminin, l'eau, le feu, le négatif, le positif, l'électricité et le magnétisme. Alors, quand on reparle des